sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle? Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Et il avait des chiens qui donnent des pauses, faites-moi voir. Et les chiens de lapin d'étang également sont étonnants. La plupart sont ainsi. Il y avait un bébé qui essayait de mettre ses chaussures. Mais donc le procédé est un peu étrange. Et au bout du compte, il le mettra. Je te croquerai tes bras et... Oui, au bout du compte, oui. Mais ça serait mieux qu'il fasse là sur un sol donc mou, pas dur comme avec le parquet. Et donc, il y a des papillons d'une symétrie magnifique. Comment est-ce qu'ils vont expliquer cela, donc, avec l'évolution, ce qui est à droite et à gauche? Et donc, cela n'a aucune utilité. Et donc, la symétrie n'est explicable en aucune manière. C'est simplement, donc, une décoration. C'est de la décoration pure. Regardez, au millimètre près, donc, c'est pareil. Et donc, je crée cela rien que pour que cela soit une décoration. Et je veux montrer les photos de différents donc, avions, pardon, de différents animaux et leurs bébés. Et c'était des ours traditionnels. Donc, les agneaux viennent. Donc, voilà, je prends donc, un agneau. Je vais ramener un agneau et une chèvre et un chevreau. Et il est parti se promener avec sa mère. Et lui, il se nettoie. Et donc, sa mère est fermée, lui, il sursaute comme un fou.